le périmètre du carré. Afin de mieux comprendre cette vidéo, tu dois d'abord savoir ce que c'est qu'un périmètre. Si tu ne le sais pas encore, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'intitule « Le périmètre » que tu trouveras sur la chaîne. Si tu es prêt, nous pouvons commencer. Je te rappelle que le périmètre est la longueur du contour d'une figure. Prenons un carré ABCD de 5 cm de côté. À ton avis, quel est le périmètre du carré ABCD? Puisque le périmètre est la longueur du contour, nous allons additionner les longueurs AB plus BC plus CD plus DA. Maintenant, nous allons prendre les nombres qui sont indiqués sur la figure. AB mesure 5 cm, donc je peux écrire P, qui veut dire périmètre, égale 5 cm plus 5 cm plus 5 cm plus 5 cm égale 20 cm. Le périmètre du carré mesure 20 cm. Je remarque qu'il y a 4 fois 5 cm. Donc je peux aussi écrire que le périmètre est égal à 4 fois 5 cm, ce qui fait 20 cm. Quel que soit le carré que je prends, et quelle que soit la longueur de son côté, alors le périmètre du carré sera côté plus côté plus côté plus côté. Je peux aussi écrire que c'est le côté fois 4. Voilà la formule que tu dois retenir. Périmètre d'un carré égale côté multiplié par 4. Nous avons terminé. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. À bientôt !